Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la clarinette qui parle aux oiseaux. Jamila habite dans un petit bois avec sa maman et son papa. Maman cultive des fraises et des pétunias. Papa des ananas et des petits pois. Chaque samedi, maman et papa partent au marché vendre leurs récoltes. Ils embrassent Jamila et disent « On te confie la maison, ne t'éloigne pas » et chaque samedi. Jamila s'assit entre les racines d'un gros chêne. Ça fait comme un fauteuil dans lequel se blottit. Elle contemple les merles et les alouettes et les rondelles, les coucous, les tournerelles. Ils volent dans les ciels. Ils passent sans la voir à tire d'aile. Pirlou, Pirlou, chante hirondelle. Coucou, coucou, comble le coucou. Philippe, Philippe, réponds alouette, des chants. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien à dire, se dire? Je voudrais tant devenir leur ami, leur confier mes secrets. Comment pourrais-je leur parler, soupire Jamila. Un samedi, elle accompagne ses parents au marché. Parmi les clients qui font la queue se trouve un monsieur, comment dire, un monsieur extravagant. Hérisé de tuyaux, un bec dans le dos, sous le bras, sur la tête, dans les poches, sous sa casquette. Quel drôle et énigme. Il achète trois ananas et un panier de petits pois. Jamila regarde un des tuyaux avec curiosité. On dirait qu'il a envie de parler. Coucou, 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 coucou. Comment tu t'appelles? Chante le tuyau avec. Jamila et toi? Clarinette. Je suis un instrument à vent. On souffle. Dans mon bec et je mets des sons volontés, des sons ravissants. Le grand Mozart a écrit un concerto rien pour moi. Le drôle de monsieur sourit sous sa casquette. Elle intéresse ma clarinette. Elle brille, elle est jolie, elle chante comme mes oiseaux dans le ciel, dit Jamila. Le monsieur lui tend l'instrument. Tiens, je te le donne. Je crois que vous allez être amis. Il repart les bras remplis d'ananas et des petits pois. La clarinette se met à jouer des notes cristalline de l'algicrito. Elle est comme par enchantement des bruits effrayants. Depuis ce jour, quand Jamila rentre de l'école, elle s'assied au pied de gros chênes. Où le coucou alouette et l'hirondelle entend. Fini les bazars. À la compétition, sous la direction de la clarinette, il chante à l'unisson. Si un jour dans votre ville passe la chorale du grand chêne, ne moque pas ce concert. Fini, bye, je vous aime.